Dans le dernier épisode de Two Point Hospital, on a réussi à avoir 3 étoiles à l'hôpital de Hogsport, le tout premier. Cette fois-ci, on va peut-être revenir à Lower Bulks, mais avant, je veux aller m'attaquer à Mitten University. Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Two Point Hospital. Mitten University, ça va être quelque chose de très différent parce que là, le but, c'est d'avoir des nouvelles technologies. Et vous voyez qu'on va former des étudiants en médecine et en soins infirmiers. On va devoir les former, on va être rémunéré quand on va les soigner. Quand on va les former, pardon. Mais, alors voilà, il nous faut des radiateurs aussi. Alors, température, il peut faire très froid. Placer des radiateurs un peu partout. Et air conditionné dans les régions chaudes, forcément. Établissez une température confortable dans tout l'hôpital. Alors ça... Ah, ça me le débloque automatiquement, le radiateur, cool. Il y a... Alors, c'est où? Ça va être ici, température. Vous voyez que là... Oh, la vache, c'est énorme. What? Ok, donc il faut améliorer une machine et arriver au niveau 3. Bon, ça devrait pas être trop compliqué. Voyons voir. On va commencer avec la réception, j'imagine. Ok. Oh, la vache, vous savez quoi? Je vais attendre pour la réception. En attendant, on va faire... des bureaux de généralistes, on va en faire plusieurs, j'imagine. Ça va être trop chelou. On va en mettre un... Ouais, bah vous savez quoi, on va se faire un couloir ici, un autre couloir là. Non, je pense que ça va être quelque chose d'assez sympa comme bâtiment. Donc là, je vais commencer à mettre les bases. Hein. Ça, a priori, vous commencez à les connaître. Je vais pas vous les montrer à chaque fois. Et après, on passera à des trucs un peu plus intéressants et un peu plus inédits. Alors là, vous voyez que j'ai débloqué vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Donc, je me dis... Ah, fontaine à boire, on m'a dit que c'était très important de le débloquer rapidement. Donc, je vais le faire. Là, une petite balance, ça coûte pas très cher. Et est-ce que ça rapporte... Ouais, ça rapporte... Ouais, armoire pharmacie, trop cher. Bon, c'est pas grave, on restera en prestige. Ah, quoique... Vous savez quoi, je passerai bien en prestige 3 partout ici. Du coup, on va mettre des classeurs, comme ça, ce sera fait. Voilà, diagnostic général est installé, on l'a de niveau 3 également. Il va nous falloir une pharmacie dès le début, ça c'est sûr. Alors là, en fait, ce que je ferais bien, c'est ici, ce serait un espace un peu général. Et là, on a la salle 3x3, ça va être trop grand. Je me demande si la salle de repos... Non, pas la salle de repos ici. Mais en même temps, j'ai pas forcément envie de les soigner ici. À part la pharmacie qui est quand même pratique parce que c'est... Ah ouais, non, là, ça pose problème. Hop. Donc, si je mets l'espace général, c'est-à-dire quoi? Que je veux mettre la réception aussi? Dans ce cas-là, on va peut-être pas mettre ça ici. Et du coup, la réception, donc, on va la poser... Comment est-ce qu'on a envie de poser la réception, là? 1, 2, on va garder ça ici. À la limite, ouais, on fait un grand espace. Voilà, là, ils peuvent marcher autour. C'est pas mal, là. Et ici, on peut mettre une... À la limite, là, on a quoi? 1, 2... À la limite... Ah, ouais, vous savez quoi? Ouais, je vais faire ça. Je vais bouger ça pour que ce soit un tout petit peu plus grand. On va mettre une porte ici. Et la réception, on va mettre 2 postes de réception au cas où. Tiens, on va les mettre là. Voilà. Et des mini... ouais, bon, on va le laisser en niveau 1 pour l'instant. Tac, ok, donc là, ce que j'ai envie de changer, on va devoir changer celui-là avant. Modifier, on va bouger la porte ici. Le radiateur, on va le mettre à côté. Nickel. Et du coup, toi, je vais te mettre ça comme ça. Nickel. Cool. Vous voyez que du coup, en plus, je commence à faire des formes un peu plus intéressantes pour les pièces. C'est quelque chose que j'ai du mal à faire au début. Et donc là, on aura une prochaine pièce qui viendra s'insérer ici. Une ou deux, d'ailleurs. Améliorer une machine, on va... Ah oui, je n'ai pas de mécanique, forcément. Alors du coup, embaucher, tant qu'à faire. Ah, assistant... Alors, formation accélérée, non. Moi, je veux commencer juste avec le service à la clientèle pour l'instant. Voilà, on va embaucher un docteur. Donc c'est un docteur direct ou étudiant en médecine? Ouais, ça va être que des étudiants, d'accord. Ah oui, d'accord, il va falloir les former pour tout. Oh la vache. Ok, bah du coup, je sais ce que je vais mettre là. Ça va être une salle de formation. Au limite, vous savez quoi, je vais même en deux. Je vais en mettre deux, ouais, je pense que ça sera plutôt pas mal.
Et je sais pas, à chaque fois je vais en mettre quoi. 1, 2, 3, 4 étudiants, ça devrait suffire. Et donc si je veux en mettre une autre à côté, parce que je me dis que je vais sans doute vouloir qu'il soit plusieurs à prendre en même temps. Ah, c'est parfait. C'est nickel. Ça rentre tout pile comme je voulais. Et on va même mettre à des bibliothèques, c'est parfait. Juste pour essayer d'amener le prestige jusqu'à 3, c'est nickel. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais embaucher 3 médecins directs et je vais les former. Alors, je vais les former en médecine générale. Quoique non, j'en ai pas besoin de 3 pour ça, c'est pas grave. Toi, boum. Et je vais en former 2 en médecine générale. Et toi... Ok, je vais attendre et dès que je peux, j'embauche un autre. Et toi, pendant ce temps-là, on va embaucher 2 infirmiers. Et on va les former en quoi, les infirmiers? Traitement. Peut-être tous, en fait. Quoique, non, j'ai pas besoin. Tiens, hop, on va enlever un des étudiants en soins. Lui, il ira plutôt à la pharmacie. Ok. Du coup, là, tout le monde va être étudiant. What? Ah, oh, la vache, ok, d'accord. Les formateurs, là, ils arrivent en hélico. Pff, tranquille. Ça, je sais pas si ça veut dire... Ah, j'y ai pas accès, mais je pensais que oui. Ouais, bon, ok. C'est pas grave, là, c'est déjà un bon premier bâtiment, ici. Je veux embaucher, quand même, un agent de maintenance. Oh, il est pas mal, lui, quand même. Embaucher, bim. Ce qui veut dire que... J'ai pas fait gaffe, mais est-ce qu'il a la mécanique? Oui. On va pouvoir augmenter ça, ce qui veut dire qu'on va obtenir notre licence de recherche. Je sais pas ce que ça va nous donner, mais on l'aura, et c'est notre objectif. Hé, hey, licence de recherche, ça y est. Nos bétous vont désormais pouvoir rechercher de nouvelles machines, améliorations et plus. Une salle de recherche et d'un docteur qualifié en recherche. Ok. Donc, ça va être une nouvelle salle, j'imagine. Recherche. 35 000, la vache. Je la mettrais bien à côté, mais je ne les ai pas encore débloqués. Donc, on bougera plus tard, j'imagine. Pourquoi est-ce que... Ah, oui. Voilà. Ok, on va mettre ça comme ça pour l'instant. On va mettre ça dans un coin. What? Mais faut en mettre... On est bon là? Ok. Ok, il est que niveau 2, mais... Ah, on peut peut-être mettre un placard, c'est un moyen facile d'augmenter le niveau, j'imagine. Ouais, bon. On va le garder là. Du coup, boum. Je vais la fermer pour l'instant, parce que je n'ai personne de qualifié. Il me faut un docteur qualifié en recherche. Ça va venir prochainement. Former un docteur en recherche. Terminer le projet de recherche chromothérapie. Ok. Faut cliquer sur le poste de recherche. Vous aurez besoin d'un docteur qualifié pour s'en occuper. Les recherches sont partagées sur l'ensemble de l'organisation. Ok, tout comme les découvertes qui en résultent, vous pouvez commencer un projet dans un hôpital et continuer à travailler dessus dans un autre. D'accord, donc ça va être le genre de truc où... On va pouvoir faire des recherches dans les hôpitaux qui sont riches, par exemple, pour en profiter avec les nouveaux. Donc la chromothérapie, très bien. Bon, on va attendre un petit peu. De toute façon, il faut qu'on forme d'abord les médecins. Et je me demande d'ailleurs si ça ne vaut pas le coup de... Ah, j'allais dire de prendre un nouveau médecin, mais il faut voir, j'ai vraiment plus d'argent en fait. Ok. Ceci, j'ai gagné un tout petit peu d'argent du coup parce que voilà, ils ont terminé, hop, ils ont eu des compétences en plus. Donc si toi par exemple je veux la recherche, bah, ah mince, former un docteur en recherche, mais si je l'ai pas, je suis dans la merde. Hein. Alors là j'ai un problème, ça ce serait cool, hein, d'avoir de l'argent en plus et tout. Mais malheureusement, je ne sais pas comment, mais pourquoi je ne peux pas leur apprendre la psychiatrie. Mais vu que je ne peux pas non plus leur apprendre la recherche, je ne sais pas, est-ce qu'on a besoin de faire quelque chose avant? Je ne sais pas. En tout cas, je suis étonnamment, j'arrive à être à peu près, ouais, vite fait à l'équilibre.
Et ça, c'est quoi? C'est les revenus, les dépenses qui montent. Hein. Ouais, j'ai vraiment beaucoup d'employés. Là, je suis en train de les former, donc on va voir ce que ça a donné. Oh, ça, ça n'a pas marché. J'aime bien cet hôpital-là. Juste, c'est tellement étrange, ce concept de on est là juste pour former et... Ah oui, il y a des clients, il y a des patients, pardon, patients, qui viennent aussi de temps en temps. C'est chelou, ouais. Décision concernant le diagnostic. Mais nous sommes certains qu'à 79% du diagnostic obtenu, nous pouvons lui demander d'attendre ici une salle de diagnostic supplémentaire, prendre un risque à la traiter ou encore la renvoyer chez elle. On va faire attendre le patient et... Ah ben non, toi, t'as déjà augmenté. T'as déjà meilleur. Bah mince. Sale, c'est quoi? C'est je dois refaire de la diagnostic générale? Oh la vache! Ah ouais! C'est compliqué de s'en souvenir des radiateurs et tout, donc... Hop. Déjà en mettre dans toutes les pièces. Et aussi, genre là. Ok, ça c'est pas mal. Bon là, ça devrait être bon. Plusieurs employés ont des emplacements de formation. Bah ouais, j'aimerais bien les former dans des trucs intéressants, mais... Ah, je... Traitement de... Bah non, je sais pas. Je ne sais pas pourquoi tout n'est pas proposé. Peut-être qu'il faut juste que j'améliore l'hôpital. Actuellement, on est niveau 4. Je sais pas, peut-être qu'il faut que ce soit plus pour la psychologie ou quoi que ce soit. Ah, demande de formation. Promotion étudiante, un plus un emplacement de formation, deux autres demandes du personnel sont prêts à être formés. Ouais, bah... Ok, formation immédiate, mais en quoi? Donc ça, c'est étudiante en soins infirmiers. C'est quoi? Je me demande si je vais pas faire motivation. Tout se fait avec 10% de plus. Intelligence... Ouais, motivation, ça servira à tout le monde. Du coup, comme ça, on rajoute les deux autres. Et malheureusement, il faut que ce soit quelqu'un de l'extérieur, donc commencez. Voilà. Et ça, c'est quoi? Je suis désolé, mais je vais te renvoyer. Toutes nos salles de diagnostic, mais c'est fou ça, parce que elle est... Pourtant, elle est niveau 2. C'est juste lui qui est mauvais, du coup, médecine générale. Oh. Peut-être. Faudrait que je le passe en niveau 2 si je peux. Alors, il me reste 91$. Tout va bien. Je me suis fait une salle de repos ici, je n'avais pas fait. Et j'ai aussi fait ici une salle de une salle commune. Mais je n'ai personne pour m'en occuper parce que... Ah oui, forcément. Tous mes infirmières sont là. Eh bien, on va attendre. Ok, on a de l'argent. Ce qui veut même dire que je peux très légèrement améliorer ça. Je voulais ajouter des casiers là, mais j'avais pas assez d'argent. Voilà. Boum, super. Défi, donner une promotion à 3 membres. Ouais, ok. Ah oui, parce que je peux les donner moi-même. Genre, tiens, toi par exemple, tu es enfin venu alors qu'on avait besoin de toi. On peut faire... Négocier le salaire. Et je peux faire une petite... voilà, plus 1%. Plus 1%. Plus 1%. Ah, faut confirmer là, ok. Non, ça n'a pas marché. Visiblement, c'était peut-être pas assez. C'était peut-être pas une vraie promotion, en fait, ok. Ok, c'est pas très très grave. Ok, donc là, j'ai des gens là, très bien. Bon, ça a l'air de mieux tourner en termes de... Ah ouais, vous voyez, ça c'est pas mal. Là, je me fais combien? 17 000? Ok, cool. Tous les diagnostics. Par contre, ouais, les diagnostics, je sais pas trop comment améliorer ça. Ah, si on commence à avoir une motivation, ça par contre, je vais être vraiment content. Ils vont être un petit peu plus efficaces pour à peu près tout. Ah non, ça s'est cassé. Ah bah nickel. Il vient juste de finir d'apprendre et il va aller réparer ça, ok. Et j'ai besoin qu'il aille réparer ça aussi. Toi, non, éteins-toi, fermé. Je sais pas ce que ça change en vrai. Je suis même pas sûr que ça me coûte quelque chose, mais... Bonne nouvelle, nanana. Ah, promotion, promouvoir, nickel. 1 sur 3, on est bon. Et par contre, former en recherche, je... Bon, vraiment, le docteur en recherche, je n'y arrive... Ah, si, attendez, une dernière idée, est-ce que... Non, si j'augmente le niveau, non, je pense pas que ce soit ça. Oh! Ah, bah,
suis quasiment certain que c'était le niveau là. Ok, d'accord, donc recherche, c'est ici. Formateur, évidemment, j'en ai pas. Moi, je vais embaucher un autre docteur pour ça. Tiens, toi, t'es pas cher, embaucher. Je vais en mettre qu'un seul. Ouais, je vais en mettre qu'un seul. Recherche. Boom. Tac, commencer. Et je vais acheter un truc à côté pour notamment justement la recherche. Ah bah c'est débloqué direct, ok très bien. Donc ça notamment parce que j'ai dû, pour mettre des toilettes, j'ai dû supprimer mon centre de recherche, donc il va falloir que je reconstruise. Je vais attendre un poil pour ça. Défi du personnel. Gagner 100 000 en 90 jours. Je crois qu'il y a moyen en plus. Ouais, bon, c'est pas pour tout de suite, mais... ouais, quoi que si, j'ai gagné un petit peu d'argent. Là, je vais gagner 5000 ici. Visite, c'est qui? Le VIP. Non, non, PDG de Holistics et concurrent. Ah. Tête d'ampoule, on va le faire attendre. Ah, bah, du coup, ici, on va commencer à mettre des trucs pour... Ah, j'ai pas assez d'argent. Alors, je pourrais prendre un emprunt. Mais je suis pas méga chaud. Donc le PDG arrive et il y a quelqu'un qui va juste de mourir, c'est parfait. Alors pied casseux, salle commune, ça me va. Arrivée imminente. Alors, tu vas te la péter toi? T'inquiète, notre hôpital il est mieux. Tiens d'ailleurs, est-ce qu'il est vraiment mieux? Classement. Holistics. Alors en termes de valeur, le leur est meilleur. Taux de guérison, je suis... Voilà, 33%, c'est pas terrible tout ça. Réputation, très mauvaise réputation. Ouais bon d'accord. Je me fais pas trop de soucis du coup. Chromothérapie. Désolé, je te renvoie. Toi, je ne peux pas encore m'occuper de toi. Par contre, du coup, j'ai 26 000. Non, j'ai pas assez. Je crois que ça coûte plus cher que ça pour si je veux faire la, refaire la, le centre de recherche. De toute façon, lui, il n'est pas encore tout à fait prêt. Profit 23. Eh, je vais y arriver, ça. Ça va se jouer à pas grand-chose, mais je vais y arriver. Ok, donc là, ce qui va me rester à faire, c'est juste économiser un petit peu d'argent pour pouvoir refaire la salle de recherche. Ok, donc là, j'ai potentiellement ce qu'il faut. Donc si je mets chromothérapie, lancer le projet. Et, non, pas embaucher, la personnelle. Donc, c'était quoi le truc déjà? Oui, je peux les forcer à faire quelque chose, et notamment les docteurs. Toi, je veux que tu fasses uniquement de la recherche, pour l'instant en tout cas. Oh yeah! Alors, bouche indélicate, pharmacie, c'est bon, je gère. Oh vache, chromothérapie. Tu sais quoi, toi, je vais te faire attendre, il y a moyen que je l'ai. Je crois. Donc toi, t'es le nouveau, t'es le docteur en recherche? Docteur Petra Biggles. Ok. Et les 100 000, on va les avoir, ça c'est super. Cool, alors du coup, qu'est-ce qu'il en a pensé le PDG? Mise à jour de la réputation. Ah, nous avons une lettre, il exprime ses sincères remerciements et nous informe qu'il ne demande pas être payé pour le mérite de la nature qu'il nous a octroyé. Hein? Ok, merci Augustus, super. Alors lui, oula. Ah, d'accord, oh, c'est énorme, chromothérapie, c'est qu'ils sont. Ils ont pas de couleur. C'est parfait. Ouh, je sais pas si on va l'avoir, attends. Ouais. Alors, remise des prix de la santé du Two Point County. Ouvrir tous. Alors, on a eu étoile montante. Membre du personnel, ok. Employeur de l'année. Merci, merci, ça me fait plaisir. Et meilleur hôtel pédagogique. Oh, hôpital de l'année. Le plus de prix. Ah. Et non, je l'ai pas eu. Oh, ça par contre, l'année prochaine, il y a moyen que je l'ai. Ok, donc là, j'ai perdu beaucoup de temps, j'ai l'impression, parce que j'arrivais pas à améliorer ça, mais ça va venir. Et clairement, on va améliorer notre Luminator parce qu'il a déjà tué une personne. Gagner 100 000 à nouveau. Ah oui, non, ça, j'ai réussi le défi, super. Je me demande si j'aurais pas besoin d'un autre mec pour la maintenance, là. Parce que je crois que je peux me le permettre maintenant en termes de prix. Ouais, bénéfice. Ouais, ouais, je pense que je peux me le permettre. Allez, embaucher, agent de maintenance, toi. Ah, énorme, là, il y a plein de clowns qui arrivent et ils sortent tous d'une minuscule bannière, j'adore ça. Rire contagieux, ok.
J'espère que je vais avoir assez de d'infirmiers par contre. Et ça, c'est pas garanti du tout. Projet de recherche terminé. Vous avez terminé un projet de recherche, c'est découvert, peut être utilisé par toute l'organisation. Les chercheurs iront s'occuper ailleurs, à moins que vous ne renonciez sur un autre projet. Ok. Donc, là, vous voyez que j'en aurai d'autres. Je pourrais améliorer ça, formation... Oh. Non, ça ne m'intéresse pas. Réunion X, celle des injections. Analyse des... Ça, ça pourrait aider les diagnostics. Et ouais, j'avais pas assez de diagnostics tout à l'heure. Ok, donc on a dit embaucher un infirmier. Pouf. Hop, même si là, visiblement... Ouais, il y a déjà un infirmier qui arrive, cool. Je pense qu'il va falloir que je les reforme un petit peu. Recherche terminée, super. Oui, promotion. Alors, par contre, salle, je dois avoir... Ouais, chromothérapie, 4x3, nickel, c'est exactement ça. En supposant que je veuille... ouais, bon, on va faire ça pour l'instant. Pas sûr qu'on garde cette forme-là à terme. Paume, niveau 2, on va garder ça à ce niveau-là pour l'instant. Extincteur et radiateur, comme d'hab. Ok. Et ça, il va falloir... Un infirmier aussi. Oh, les infirmiers, par contre, ça a commencé à devenir vraiment... Oh la vache, ça devient critique, là. Cher directeur de l'hôpital, hôpital 1 étoile. C'est une bonne chose que votre organisation se soit lancée dans la recherche. Nos études préliminaires suggéraient, visiblement à tort, que vous n'étiez pas à la hauteur pour cette mission. Bien évidemment, le responsable de ces accusations totalement injustifiées va pouvoir pointer au chômage, sauf si c'était moi. Continuez vos recherches pour obtenir de plus amples récompenses ou installez-vous ailleurs pour étendre votre organisation. On a débloqué Bibliothèque d'Encyclopédie et Luxinator Super Lux 3. On va continuer. Former 10 membres du personnel, ok, générer 2000 points de recherche et guérir 50 patients. Moi, je suis assez chaud pour faire tout ça. Je pense qu'il y a moyen. Luxinator Super Lux 3, il est où? Il est... là. Du coup, il y a juste besoin de l'améliorer. Ça coûte 20 000. On va attendre un peu, peut-être. Qu'est-ce que tu veux? Posséder une salle de toilette niveau 4, t'es sérieux? On en a peut-être... Ah, ok. C'est quoi ce qu'on va faire? C'est que du coup, on va vendre celle-là. Et celle-là, on va l'agrandir. Voilà. Hey, j'ai réussi le contrat avec cette horreur. Que je vais m'empresser de virer. Voilà. Niveau 3, c'est bien suffisant. Donc, voilà, les toilettes, ça c'est fait, nanana. Ok, bah pour le reste, moi je vous propose qu'on se retrouve directement une fois que je l'aurai, parce que c'est... Bah, encore une fois, ça a tendance à être un peu le fait de juste laisser tourner, on verra bien ce que ça va donner. Ok, ça fait un an de plus, voyons voir ce qu'on a réussi à récolter, et ce qu'on a réussi à avoir. Ah, alors, on a récupéré à nouveau ces deux-là, et on a eu à la pointe de la recherche... On a payé l'hôpital de l'année. C'est-à-dire qu'un autre hôpital a eu plus que 4. Ben, c'est pas possible. Étrange. Par contre, en finance, ça va méga bien. Genre, c'est ridicule, quoi. Je me fais 282. Ah, mais c'est à l'année, peut-être. Et la salle des injections, elle est presque prête. Là, j'essaie de forcer les docteurs à bosser sur leur recherche plutôt que faire autre chose. J'ai débloqué un autre truc par ici. Vous voyez qu'elle veut... Enfin, lui, il veut ça. Ah, mais il est en train de... Oh, ils sont en train de vomir partout. Peut-être un agent de maintenance en plus, on verra. Mais sinon, à part ça, on s'en sort pas trop mal. Arrêtez de me demander l'argent, par contre. Alors, c'est vraiment le bordel. Regardez-moi ça. J'ai désormais 4 bureaux de médecine générale. C'est pas assez, vous voyez qu'il y a des queues partout. J'ai beaucoup de queues au niveau de l'analyse des fluides. Je suis assez étonné, d'ailleurs. Visiblement, juste, il n'y a pas assez de... Ah bah, je suis en train de se faire allumer. Il n'y a pas assez de... Comment dire, on arrive... On n'est pas certain de ce dont ils ont besoin, quelque chose comme ça. Ensuite, ici... Ça, c'est tout nouveau, c'est... on a enfin la salle des injections.
Et visiblement, alors les infirmiers, il n'y en a jamais assez. Faut que je les forme aussi, ça je les ai pas assez formés, mais bon. Et year review, et ça visiblement ça met, oh là là, attends. Qu'est-ce que tu veux, 100 décès, ouh, je vais jamais y arriver, ça sert à rien, ça les injections, c'est bon, je l'ai eu. Ego surdimensionné, et il faut psychiatrie, c'est bon, j'ai, ça c'est bon. Et... attrait à 70%, j'ai pas réussi, ok. Au moins je vais bientôt passer à un hôpital 2 étoiles, et on en est à la troisième année là. Alors, employeur de l'année et un nouveau hôpital à la pointe de la recherche, c'est tout. C'est dommage. Et pour les points de recherche, en fait, j'arrive pas à comprendre comment on fait pour en avoir 3. J'ai mis 3 bureaux de chercheurs, j'ai en plus 3 mecs où... ils sont... Lui, je leur ai dit, vous 3, vous ne faites que de la recherche et je sais pas ce qu'ils foutent. Ils sont en train de se reposer. Ben non, mais non, tu retournes travailler, toi. Toi aussi, tu retournes travailler. Non, mais je rêve. Parce que dès que je les regarde, ils sont tout le temps en train de se reposer. Après, leur salle est petite, mais bon. Ok, et du coup, 1971, allez, on se dépêche. Oh, par contre, je suis niveau 11, la vache. Allez, d'accord, moi qui me disais niveau 9 et tout, ça me paraissait inatteignable dans les premiers hôpitaux, en fait... c'est largement faisable. Cool, donc toi t'as été picousé, c'est ça, hein, c'est le picouseur, ouais. Ouais. 150 collages, bibliothèque d'encyclopédie 2, diagno facile 3. Apparemment vos recherches ont permis d'importantes avancées, tant mieux pour vous. Continuez vos recherches pour obtenir de plus amples récompenses ou installez-vous ailleurs pour étendre votre organisation. Ok. Cool, donc moi j'ai... c'est quoi la suite? Former 20 membres, 4000 points de recherche, 100 patients et taux de guérison de 60%. Ok. À vrai dire... Alors déjà là on a quoi comme... C'est quoi la suite? On peut faire la formation recherche, ça c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Je pense que je vais faire ça. Ça va me coûter combien de points? 1000, là 2000. Non, bah s'il me faut 4000, autant faire direct genre rayon X. Et ce que je pense que je vais faire, c'est que soit celui-là, je le ferai plus tard, soit je le ferai hors caméra. Parce que là, globalement, on a vu le type de gameplay que c'était. Mais ça me semble tout à fait atteignable d'avoir les 3 étoiles là. Du coup, dans le prochain épisode, je vous propose d'aller sur Tumble. Tumble, ça va être à nouveau quelque chose dans où il fait froid. Mais je soupçonne que ça va être très très différent. Carrière, je peux débloquer. Alors, réparer 100 machines, former 20 membres du personnel, et c'est tout. Cool. En termes de classement, ah ouais, là j'ai bien farmé par rapport à Alex et Dan. Cool. Bon bah écoutez, merci à tous d'avoir suivi pour cet épisode, et on se retrouve très très bientôt pour la suite dans Tumble. Bye bye.